Le livre que nous venons de publier, Le Brésil en toutes les 19 Coupes du Monde de 1930 à 2010, c'est le premier livre publié dans ce genre-là. Il présente un bilan complet de toute la participation brésilienne dès la première Coupe du Monde en Uruguay en 1930 jusqu'à aux éliminatoires de cette année, c'est-à-dire 2009. Ce bilan est complet, il présente toutes les statistiques avec des photos et il est un livre bilan. Il est publié en anglais et en portugais. C'est le premier livre publié au Brésil présentant ce bilan avec les données déjà de la Coupe du Monde de 2010, avec tous les pays classifiés pour participer en Afrique dans cette Coupe. Vous voyez tous les stades et la participation brésilienne dans toutes les autres Coupes du Monde. Le livre a un prix raisonnable pour ce genre de publication. Uh-huh. Il vient dans un papier couché, c'est-à-dire un papier de première, et les photos sont très très claires, très bonnes photos. Même celles de 1930 sont absolument originales, et ainsi de suite pour toutes les coupes qui se sont déroulées dans cette époque-là. Uh-huh. Voilà la couverture et avec les images, les posters de toutes les coupes. Uh-huh. Et nous espérons, bien sûr, publier la prochaine édition en 2014, quand la coupe se déroulera au Brésil. Ah. C'est-à-dire, nous préparons déjà une nouvelle édition qui sortira dans 4 ans. Très bien.